le lac à mes épaules, on parle français. Nous sommes en Suisse. On vous porte à la découverte de Lausanne. Suivez-moi. Bienvenue à Lausanne. Merci. C'est super de te revoir. Je Mais suis ravie. Annette, tu nous conduis toujours dans des lieux splendides. C'est normal. On est dans un lieu splendide ici au bord du lac. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu me proposes? Oh là là, un grand programme. Pour l'instant, nous sommes à Ouchy. Oui. Qui est un quartier magnifique de Lausanne. On va visiter un petit peu ici en bas. On va aller au musée olympique. On va aller au Beau-Rivage Palace. Ensuite, je vais encore t'amener à un autre lieu qui est un petit peu plus loin, qui s'appelle Vidi, qui est la fondation de Lausanne. Bien, je suis prête. On y va. Moi aussi. Alors, Annette et Jeannette ensemble, on ne peut que faire des choses belles, nous deux ensemble. J'espère. Voilà, alors tu vas nous raconter un peu où est-ce qu'on se trouve. C'est-à-dire, Lausanne est née entre un lac, je vois des montagnes, où on est? Alors, actuellement, nous sommes au bord du lac Léman, ici à Ouchy, qui est un quartier qui fait entièrement partie de Lausanne. C'est un endroit où il fait bon vivre, comme tu peux le voir. C'est vraiment une vraie carte postale. C'est ici que nous trouvons une grande majorité des hôtels, des restaurants et aussi un port de plaisance ici juste à côté, le port de nos grands bateaux de la flotte Belle Époque qu'on va rencontrer un petit peu plus tard. En face de nous, une petite ville que tu vois, ça c'est Évian. En France. En France. Tout ce qu'on voit en face, c'est la France jusqu'à quasi le bout du lac. Donc, nous avons ici les Alpes françaises. Et en arrivant à Annette, on a vu des vignobles, mais splendides. Là, on est où? On est juste à côté de notre fameux vignoble, Lavaux, que nous allons découvrir plus tard, qui se retrouve juste ici, en face de nous, sur la rive gauche, entre Lausanne et Montreux. Donc, on peut dire que Lausanne a une concentration de lacs, montagnes, vignobles. C'est le paradis. C'est le paradis, nous avons tout. Et en plus, nous sommes très très bien situés en Suisse, ici au bord du lac Léman, tout près de Genève, avec l'aéroport international, à seulement 40 minutes. Et ce que je dis souvent, c'est que quand on est par exemple sur le lac ici, on est au printemps, on voit encore la neige sur les montagnes, tu es en maillot de bain et en 2 heures, tu prends ta voiture ou le train, et tu peux aller skier. Alors, je vois des bateaux, donc tu me parlais avant du port. Elle a quelle origine? Alors, le port d'Ouchy est déjà mentionné déjà au Moyen-Âge, que c'était un petit port de pêcheurs et de marchands. Aujourd'hui, comme tu peux voir, c'est un grand port de plaisance, très utilisé par les Lausannois pour aller faire des régates, de la voile, du bateau moteur sur le lac Léman. Et après, il y a un élément qui attire mon attention, c'est ce gros C. C'est quoi ça? Alors, c'est un indicateur de vent. Ah, et ça sert donc pour ceux qui sont... Ça sert quand on est dehors, sous voile ou même à moteur, de voir d'où vient le vent, car le lac Léman, tu le vois ici comme un lac très tranquille, ouais, mais c'est un lac qui est quand même assez traître, où les vents peuvent se lever
d'un coup et tu peux avoir le lac qui devient comme une mer en 10 minutes. Tu m'as amené un peu dans le cœur de l'histoire de Lausanne, parce que on a vu bien sûr le lac, mais Lausanne, disons, a une histoire qui vient de loin. Ça vient de très loin. On est ici dans le site des ruines romaines, vieilles de plus de 2000 ans, ici situé à Vidi. Alors, tu vas trouver dans ce site non seulement des habitations des personnes qui vivaient ici déjà au 1er siècle. C'était quoi? C'était un peu la place où les gens se rencontraient, le vicus? C'est le vicus de Lausanne, exactement. On y retrouve donc non seulement les habitations, mais aussi un grand forum et une vieille basilique. Il ne reste pas grand-chose, mais on peut quand même se faire une idée de comment vivaient les gens à l'époque dans ce petit village de pêche et de marchands, exactement situé dans un axe commercial entre la Gaule et l'Italie. Lausanne est effectivement située dans un axe depuis toujours de carrefour commercial important entre la Gaule et l'Italie, ce qui est le cas pour ce vicus de Lausona. Lausona, ça vient d'où ce nom? Alors, Lausona, c'est l'ancien nom de Lausanne. C'est un nom celtique qui vient de Lausa, qui veut dire pierre plate. La Lausa. La Lausa, exactement. Et comment est-ce qu'on a découvert ce site? Alors, le site a été découvert, en fait, petit à petit, pas tout en même temps. Une partie des fouilles ont été faites ont été trouvées lors de la construction de l'autoroute qui se situe juste là derrière dans les années 60. Et ce site, donc, tu m'as dit un peu à la fois, et il est grand de combien? Alors, on se retrouve à peu près avec 1,2 km à découvrir comme ça à pied. Sinon, si tu veux avoir plus de choses qui ont été découvertes dans les fouilles, il faut aller au musée romain qui se trouve également ici à Viti. Comment ça se fait qu'un site qui était habité par combien de personnes? Environ 1500 à 2000 au 3e siècle. Voilà, et comment ça se fait donc qu'un site si important à un moment donné vient abandonné? Alors, comme tu sais certainement, au 3e siècle, les Alamans, les Germaniques, ont traversé toute l'Europe et partout sur leur chemin, ils ont détruit les villes et ils ont également détruit notre petit village de Lausona. À l'époque, les gens se sont dit, nous ne pouvons plus rester ici en bas, ce n'est pas sûr, on ne voit pas si l'ennemi vient. Et ils ont décidé, au début du 4e siècle, de monter les trois collines sur lesquelles Lausanne actuelle, comme on le voit aujourd'hui, a été construite. Une longue histoire. On y va alors. On y va. On s'approche maintenant à un bâtiment qui a une raison particulière, le CIO. Voilà. Ça veut dire quoi, CIO? Le Comité International Olympique, qui est situé ici dans le parc de Vidi, est un tout nouveau bâtiment à vue le jour et inauguré au mois de juin de cette année, la maison olympique qu'on voit ici sur notre gauche. C'est un bâtiment que on peut dire à niveau, disons, d'architecture, c'est impressionnant. Pourquoi il a cette forme si particulière? Alors, ils ont fait en sorte déjà que le bâtiment est créé comme sur un socle de verdure, ce qui le rend beaucoup moins lourd déjà, avec énormément de vitres
qui donne une belle lumière et transparence à l'intérieur. Et en plus à l'extérieur, on a la nature qui se reflète dedans. Et puis les courbes que tu vois, ben, ça symbolise les athlètes dans l'effort. Donc le mouvement. Le mouvement dans l'effort. Alors Annette, c'est vraiment une très grande surprise celle que tu me montres. Si tu devais résumer en trois mots ce bâtiment. En trois mots, ce sont les trois objectifs qui ont été atteints, qui est durabilité, crédibilité et jeunesse. Eh bien, c'est parfait. Vivre ici, j'adore la Vallée d'Aoste, mais ici il faut dire que c'est une belle alternative. Il est vrai qu'on est vraiment idéalement situé ici en partie au bord du lac, Léman. Et là on est toujours dans le parc de Vidi. Pour moi c'est un peu le poumon vert de Lausanne, c'est un parc qui est en fait immense et très utilisé aussi par les Lausannois. Matin, tu vois tous les gens faire du jogging, le week-end, ils viennent faire leur pique-nique. Tu peux louer des pédalos, tu peux faire du kayak. Il y a plein d'activités et surtout, une grande partie de nos installations sportives sont ici à Vidi. Football, enfin stade de foot, tu peux faire du volley, tu peux faire du tir à l'arc. Il y a une grande piste cyclable, tout est relié. Un centre pour sportif, mais bien voilà. Sûr. C'est vraiment un centre. Nous sommes capitale olympique, ce qui veut aussi dire qu'une ville vraiment sportive. Elle doit donner la possibilité à ses habitants et aux touristes d'en profiter. Ça, c'est sûr. On a plus de 300 clubs de sport. Tu peux exercer plus de 70 différents sports ici. Et c'est vrai que c'est unique. Très bien, merci. Ce musée est né d'abord dans l'esprit de Pierre de Coubertin, donc il y a très longtemps. Le vrai musée, le premier musée, le premier bâtiment, c'est 1993. Et il a été rénové, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, en 2013. Voilà, c'est une bâtisse très particulière. On voit qu'il y a beaucoup de technologies, de modernité. C'était quoi un peu le défi? C'était vraiment celui d'être un peu, disons, dans le temps, toujours se renouveler. Oui, bien sûr, se renouveler, être à la page des nouvelles technologies, mais aussi, il y avait une obligation, parce qu'on a un patrimoine matériel, mais immatériel. Et ce patrimoine immatériel, on le montre à travers le multimédia. Je vois beaucoup d'enfants, donc c'est un musée qui est pensé pour les familles aussi. Absolument. Tout le monde doit y trouver son compte, et surtout, justement, les enfants doivent apprendre que par le sport, on peut grandir et évoluer positivement. Alors, je me sens là plongée dans la vieille Grèce. Qu'est-ce qui se passe? Absolument, nous sommes en pleine Grèce antique, au cœur de cette Grèce à Olympie. Parce que c'est là qui naissent les Jeux Olympiques. C'est là que naissent les Jeux, c'est là, donc dans ce sanctuaire, que tous les 4 ans, les athlètes se retrouvent pour célébrer les dieux et ces Jeux. Alors, si on devait parcourir
disons, l'histoire des Jeux Olympiques. Donc, ils naissent à Olympie, mais après, c'est quoi le Alors, dans l'Antiquité, ils n'ont lieu qu'à Olympie, d'où leur nom Jeux Olympiques. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, grosso modo, de 776 avant Jésus-Christ jusqu'au 4e après Jésus-Christ, ils se situent là, en Grèce. Et ensuite, il y a un déclin, il y a un moment donné où on arrête ces Jeux et on va les oublier jusqu'à Pierre de Coubertin. Et voilà, alors on va découvrir Pierre de Coubertin. Alors, à un moment donné, les Jeux Olympiques, ils s'arrêtent. Pourquoi ? Parce que ce sont des Jeux en lien avec les cultes païens. Or, à ce moment-là, l'Empire est devenu chrétien. Et donc, Théodose décide d'arrêter ces Jeux. Donc, il ne fallait plus faire ça parce que c'était pour remercier Zeus. Exactement, le dieu des dieux. Et donc, du coup, on ferme le site. Et pendant combien de temps ça reste fermé ? Du 4e jusqu'à nos jours, qui est en fait aujourd'hui un site archéologique et non plus un site sportif. Alors, je suis un peu émue, je suis en face du premier drapeau olympique. Oui, le premier drapeau olympique, donc créé par Pierre de Coubertin, qui est à l'origine de la rénovation de ces Jeux Olympiques. Ça symbolise quoi ? Pourquoi tous les cercles ? Alors, 5 anneaux, 5 continents, 6 couleurs. Et sur ces 6 couleurs-là, on est sûr d'en trouver une dans notre drapeau national. Et c'est ça toute la force de Pierre de Coubertin, c'est de nous lié à ce drapeau, à ces Jeux Olympiques.